Bonjour tout le monde! Défi 86, 18e vidéo du défi 86, 86 jours, hein, avant le 27 septembre qui est la date du méga party. Aujourd'hui, j'avais décidé de vous parler savoir demander. Ouais, savoir demander. Mon nom est Chantal Brouche, néo-sexopédienne, spécialiste en savoir-faire et savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir, particulièrement dans la reconnexion à soi par le plaisir des sens. Et savoir demander, ça c'est quelque chose qui est difficile. Bonjour Robert, bonjour André. C'est pas facile de demander. Et je vous arrive avec ça aujourd'hui parce que justement, je suis là-dedans. J'envisage aller sur Paris, hein, comme diraient les Français. Ici, on dit on s'en va à Paris, mais là-bas, on va sur Paris. Pour novembre, j'y vais pour l'événement des paillettes, en novembre. Et je vais combiner ça naturellement avec un voyage de touriste et peut-être autre chose. En tout cas, je veux faire du cocooning, là. Je veux aller visiter, je veux aller vivre un peu l'expérience parisienne. J'aimerais ça être reçue d'arriver à demander, à faire une demande. Vous avez peur de déranger, vous avez peur de déplaire, ou c'est ça, c'est pas toujours facile de demander. Et dans le fond, tout ce que vous risquez, hein, c'est quoi? C'est non. Non, je peux pas. Puis c'est correct. T'sais, quand on demande, faut demander avec l'idée d'accepter autant le oui que le non. C'est que si c'est un oui, c'est super. Si c'est un non, ben c'est super. Ça aussi, c'est parfait. De ne pas obliger l'autre. T'sais, quand on fait une demande, oui, donc, j'aimerais ça, je voudrais. T'sais. Fait que si on n'a pas l'ouverture à entendre un non, c'est pas une demande qui laisse pleine liberté à l'autre. Et si l'autre le fait, ben ça sera pas... En tout cas, c'est pas de la bonne énergie qu'on envoie parce qu'on n'en tirera pas vraiment pas de bénéfice, mais un bien-être suite à ça. Fait que je vous invite à regarder de quelle façon est-ce que vous demandez, si vous êtes capable de demander et qu'est-ce qui vous empêche de demander et d'accepter le non. Est-ce que c'est le non qui vous fait peur? Ouais. Je vous mets ça comme réflexion. OK, je vous laisse là-dessus. Sur ce, moi, je vous vois demain. Bonne fin de journée. Bye!